Voici plusieurs semaines déjà que les rues ont été ornées de drapeaux. Une fête foraine s'est installée en ville, dans le quartier du port. Des lumières colorées brillent dans la nuit et l'air s'emplit d'une musique joyeuse. La foule savoure à l'avance les réjouissances à venir et sa fierté est presque palpable. Le jour de la fête nationale arrive enfin, qui rassemble dans la liesse la nation tout entière. Sommes-nous aux États-Unis, en France, en Angleterre, au Japon, en Italie? Aujourd'hui, ces gens ne font pas que célébrer un événement heureux. Ils manifestent la fierté sincère qu'ils éprouvent à l'égard de leur pays. Ces gens sont les citoyens de Monaco. Monaco, une principauté proche du peuple. Pour beaucoup, la démocratie est le seul système politique équitable pour le peuple. La principauté de Monaco, un État indépendant doté d'une constitution et gouverné par un prince au pouvoir étendu, est l'exception qui confirme la règle. Le régime politique de la principauté fonctionne parfaitement. Il s'inspire à bien des égards de la démocratie et la population en est pleinement satisfaite. Niché au cœur de la Riviera française, sur la Côte d'Azur, ce charmant pays jouit de la douceur de son climat. Son nom n'évoque pas seulement luxe et élégance. Monaco est aussi un centre commercial où sont implantées de nombreuses industries et institutions financières. Depuis longtemps, la principauté symbolise le raffinement, une réputation que lui vaut une qualité de vie admirée par le reste du monde. Monaco s'étend sur une étroite bande côtière de 4 km de long. Son point le plus élevé culmine à 161 mètres d'altitude et sa largeur varie de 200 à 300 mètres. Avec une superficie globale de 195 hectares seulement, la principauté n'est pas plus grande que Central Park à New York. Près d'un sixième de sa superficie a été gagné sur la mer au cours des 20 dernières années.
La principauté ne compte qu'une seule commune, Monaco, dont les limites coïncident avec celles de l'État. La commune est divisée en 5 sections. Monaco-ville, la vieille ville fortifiée, juchée sur son rocher, avec son palais princier, ses remparts, ses jardins, la cathédrale et le musée océanographique. La Condamine, le quartier du port. Monte Carlo, fondé en 1866 par le prince Charles III, qui lui a donné son nom. C'est ici que se trouve le casino, célèbre dans le monde entier, les hôtels de luxe, la plage du Larvotto et le Monte Carlo Sporting Club. Le quartier de Fontvieille, véritable exploit technologique. Sur ce terre-plein de 22 hectares conquis sur la mer, ont été construits un centre résidentiel et touristique, un complexe sportif, un port de plaisance et une zone industrielle non polluante. Et enfin, le quartier des Moneghetti et son jardin exotique. Le français est la langue officielle des 30 000 habitants de la principauté. Plus de 83% des résidents sont étrangers, les Français représentant à eux seuls près de 41% de la population totale. Les nationaux monégasques sont un peu moins de 6 000. La grande majorité des habitants de Monaco parlent et comprennent l'italien et l'anglais, et le monégasque, langue traditionnelle du pays, est enseigné dans les écoles. La monnaie officielle est le franc français. Des pièces monégasques ayant la même valeur que les pièces françaises sont également en circulation, mais ne sont généralement pas acceptées à l'étranger. Monaco s'est doté d'un régime fiscal particulier. Aucun résident ne paie d'impôts directs, à l'exception des Français venus s'installer dans la principauté après 1957. Les sociétés, elles, sont imposables sur le chiffre d'affaires et sur les bénéfices. Le catholicisme est religion d'État, mais la liberté de culte est garantie par la Constitution. Deo Juvente, avec l'aide de Dieu, est la devise des princes monégasques. Et c'est peut-être d'ailleurs grâce à une sorte d'intervention divine que Monaco acquit sa souveraineté sous le règne des Grimaldi. Monaco est aujourd'hui un État membre de l'ONU, une nation reconnue par la communauté internationale. Mais le passé est là pour le prouver, son existence même a souvent été contestée. René Novella, ambassadeur de Monaco en Italie et historien de renom, nous raconte brièvement l'histoire originale de son pays. La première mention écrite de Monaco se trouve dans la Périégèse d'Hécatée de Milet, quelques 500 ans avant Jésus-Christ. Décrivant l'arc septentrional de la Méditerranée, Hécate de Milet cite uniquement Narbonne, Marseille, Monoikos polis ligustique, c'est-à-dire Monaco, ville de Ligurie, Intemelium,
et l'île d'Elbe. Il n'est pas question des autres grandes cités que nous connaissons aujourd'hui dans cet arc septentrional. L'histoire de Monaco remonte en vérité à la préhistoire. Déjà à l'époque du paléolithique, nos cavernes sont habitées. À l'époque romaine, Auguste crée le fameux trophée qui est au-dessus de Monaco, à la Turbie, pour marquer la limite entre la Gaule cisalpine et la Gaule transalpine. Pendant le Moyen Âge, Monaco subit le sort de toutes les villes et de tous les pays de la côte constamment assaillis par les Sarrasins. Durant la domination génoise qui débute en 1162, le rocher de Monaco est le théâtre de luttes féroces que se livrent les deux principales factions rivales de Gênes, les Gibelins, favorables à l'empereur germanique, et les Guelfes, partisans du pape. En 1215, les Gibelins s'emparent du rocher et construisent une forteresse à l'emplacement du palais actuel. Mais c'est en 1297 que le premier Grimaldi fait son apparition ici, à l'époque où les Guelfes et les Gibelins s'entre-déchirent sur le sol de l'Italie. Et chaque fois que l'une des factions connaît la défaite, elle a pour habitude de venir se réfugier du côté de la Provence. Et c'est ainsi qu'en 1297, les Guelfes ayant perdu la bataille arrivent à Monaco avec François Grimaldi à leur tête. Et le 8 janvier, déguisés en moines, ainsi que tous ces soldats qui ont revêtu également la robe de bure, François Grimaldi pénètre dans le palais. Pendant le siècle qui suit, on l'en chassera, les Guelfes reviendront, repartiront. Il faut attendre le 15e pour que la situation se stabilise vraiment. Le souvenir de la prise de Monaco par François de Grimaldi est perpétué dans les armes de la famille, qui représente deux moines brandissant une épée. Ce jour mémorable marque le début du règne des Grimaldi, et en 1612, Honoré II est le premier de la dynastie à prendre le titre de prince. En 1793, pendant la Révolution, la principauté est annexée à la République française. Rebaptisée Fort Hercule, elle n'est plus qu'une ville ordinaire des Alpes-Maritimes. Le prince et sa famille sont emprisonnés, leurs biens dispersés et le palais transformé en hospice. Et célèbre parce qu'il dirige dans ce palais même son orchestre, il entretient une riche correspondance conservée ici aux archives du palais avec les plus grands musiciens de l'époque. Honoré III poursuivra cette politique. Malheureusement, cette politique sera brutalement interrompue par les événements douloureux de la Révolution française. Et la belle-fille d'Honoré III, Charlotte de Choiseul-Stainville, sera d'ailleurs guillotinée. Elle fera partie de la dernière charrette avec le célèbre poète français André Chénier. Comme elle avait très peur au moment de se rendre sur l'échafaud, elle ne voulait pas montrer sa frayeur. Elle a décidé de briser la vitre de la fenêtre de sa cellule. Elle a pris un petit morceau de verre pour s'entailler légèrement une veine, prélever un peu de sang et avec ce sang se farder les joues pour ne pas montrer sa pâleur. Par le traité de Paris, signé le 30 mai 1814, les Grimaldi recouvrent Monaco ainsi que leurs droits. D'autres épisodes sont intéressants, comme celui que rapporte Dumas. C'est le prince Honoré V qui, après le traité de Paris, a retrouvé la totalité de ses terres et redescend sur Monaco. Il rencontre à Golfe-Juan l'empereur Napoléon de retour de l'île d'Elbe pour les fameux 100 jours. Et Napoléon lui demande « Mais où allez-vous comme ça ?» Et
Honoré V, le futur Honoré V, lui répond « Je rentre dans mes terres ». Et Napoléon lui dit « Et moi aussi ». Il n'y restera pas longtemps. Voilà très rapidement ce qui nous conduit à ce long règne du prince Régnier III, bientôt 50 ans. Nous allons fêter en 99 un véritable jubilé, car on sait bien que jubilé signifie 50 et non pas 25, alors que certains prédécesseurs du prince ont fêté leurs 25 ans de règne. Les monégasques vénèrent leur passé, comme en atteste leur respect séculaire des traditions populaires et religieuses. Celles-ci sont profondément ancrées dans la mémoire collective et s'accompagnent de rites et de cérémonies. Parmi toutes ces coutumes religieuses, l'une de celles que les monégasques chérissent le plus célèbre la légende de Sainte Dévote, patronne de Monaco. La Sainte Dévote est fêtée le 27 janvier. Les rituels accomplis à cette occasion, de même que les fêtes honorant les saints et les princes d'antan, sont révélateurs du respect des monégasques pour leur héritage historique. La journée se termine par une procession de torches, une cérémonie religieuse et une bénédiction. La célébration se poursuit avec la mise à feu d'une barque ornée de branches d'olivier, de laurier et de pin, en souvenir d'une légende qui remonte au IVe siècle. Une chrétienne appelée Dévote, coupable de croire en Dieu, fut emprisonnée et torturée en Corse par un tyran cruel. Les habitants de la région déposèrent ses restes dans une barque, espérant qu'ils atteindraient l'Afrique et y seraient enterrés selon le rite chrétien. Une tempête se leva sur la mer, mais une colombe miraculeusement sortie des lèvres de la martyre guida la barque jusqu'à Monaco, où fut enterrée la sainte. Une marque signalait l'emplacement de sa tombe et les gens venaient la vénérer de plusieurs kilomètres à la ronde. Sainte Dévote reposa en paix jusqu'au jour où un malfrat déroba les reliques avec l'intention de les vendre de l'autre côté de la mer. Le projet sacrilège du voleur n'échoua que grâce à l'intervention d'un groupe de pêcheurs qui s'empara de la barque, la ramena sur le rivage et la brûla en sacrifice. Pendant les sièges religieux et politiques du XVIe siècle, les reliques de Sainte Dévote furent transportées jusqu'en haut des remparts de Monaco pour inspirer les défenseurs et effrayer les assiégeants. Aujourd'hui, cette cérémonie évoque l'épisode au cours duquel les monégasques effacèrent toute trace du crime innommable qui avait été commis. La soirée se termine par un feu d'artifice dans le port, au-dessus de la Méditerranée. Cette commémoration est l'un des nombreux événements qui rassemblent les résidents de Monaco. La fête nationale en est un autre. Célébrée auparavant le jour de la Sainte Dévote, elle a aujourd'hui lieu à une date fixée par le prince. C'est à cette occasion que la principauté célèbre les traditions monégasques et commémore l'histoire de sa dynastie et son indépendance vis-à-vis de la France. L'histoire moderne de Monaco commence le jour de l'intronisation de son Altesse Sérénissime le prince Régnier III, né le 31 mai 1923 à Monaco et descendant de la maison Grimaldi. Le 9 mai 1949, Régnier succède à son grand-père, le prince Louis II. 5 ans plus tôt, sa mère, son Altesse Sérénissime la princesse Charlotte Louise Juliette,
a renoncé en sa faveur à son titre de princesse héritière et à ses droits à la couronne. Le 18 avril 1956, le prince Rainier épouse l'actrice Grace Kelly, qu'Hollywood avait récompensée d'un Oscar. Pour beaucoup, ce mariage avait tout d'un conte de fées. Le 14 septembre 1982, la princesse Grace meurt tragiquement des suites d'un accident de voiture survenu la veille. Le couple princier a eu 3 enfants. La princesse Caroline Louise Marguerite, née le 23 janvier 1957. Le prince Albert Alexandre Louis Pierre, héritier du trône, marquis de Beau, né le 14 mars 1958. Et la princesse Stéphanie Marie-Élisabeth, née le 1er février 1965. Rainier évoque la vie de la famille princière. The old statutes of the family say that all of the members of the family must obey the prince's will. This is not always quite true because in family rapports, even a father doesn't have the last word in his family. I think it happens often even in American families where the children sometimes decide what they want to do and don't worry about what Ma or Pa's feelings are about this. Ouvert aux idées nouvelles, le prince Rainier n'a cessé de travailler à la mise en œuvre d'une politique de modernisation à grande échelle. Grâce à lui, Monaco est désormais un État moderne, tourné vers l'avenir, mais attaché à ses traditions. Lors d'un discours prononcé dans la salle du trône, il a affirmé « Né d'une volonté commune, un esprit nouveau souffle sur les structures anciennes. Il consacre les principes modernes sans rompre aucunement avec la tradition. » Nous vivons un ajustement plutôt qu'un renversement, une évolution plutôt qu'une révolution. Les institutions politiques de la principauté de Monaco sont uniques en leur genre. Le prince a les pleins pouvoirs, mais de nombreux organes gouvernementaux sont composés de membres élus. Le maire de Monte-Carlo, Madame Campora, nous décrit sa fonction. La fonction du maire à Monaco est tout d'abord une très grande joie, parce que la principauté est un tout petit État, membre de l'ONU, bien évidemment, mais c'est un petit État qui est à la fois un bijou et que tout le monde connaît. Et le rôle du maire
est multiple. Le maire a de multiples fonctions. Tout d'abord, nous sommes élus pour 4 ans, c'est-à-dire que le mandat dure 4 ans. Et au sein du conseil communal, nous sommes 15. Et les 15 élus communaux élisent le maire et les adjoints au maire. Ça, c'est déjà une première chose. Et c'est quand même une particularité par rapport à d'autres pays d'Europe et pays amis et voisins. La deuxième chose, l'État et la commune ont exactement le même territoire. La Constitution de 1962 régit la vie politique et culturelle de la principauté, ainsi que son système éducatif. Elle stipule ainsi que tous les monégasques ont droit à une bourse de l'enseignement supérieur. Sont considérés comme monégasques les personnes nées à Monaco ou à l'étranger, de père ou de mère monégasque. Il est également possible d'acquérir la nationalité monégasque par adoption, mariage ou naturalisation. Monaco est une principauté, et pourtant, si un monégasque éprouve le besoin de soumettre un problème aux autorités, il n'aura très probablement aucun mal à se faire entendre. Je pense que j'irai voir le maire. J'essaierai de lui parler. Je pourrais aussi écrire une lettre au prince Rainier. Je sais qu'il accepte de recevoir les gens qui demandent à le voir et qui prennent rendez-vous. Ça ne m'est jamais arrivé personnellement, mais certains de mes amis ont été reçus par le prince. La succession au trône est assurée par les descendants directs et légitimes du prince régnant, par ordre de primogéniture, les descendants mâles ayant la préséance sur les femmes de même degré de parenté. Le prince Albert est donc prince héritier depuis 1979, l'année de ses 21 ans. Le pouvoir exécutif est exercé sous l'autorité suprême du prince par un ministre d'État assisté par un conseil de gouvernement composé de 3 membres. Le ministre d'État, de nationalité française, est choisi par le prince sur une liste de 3 noms soumise par le président de la République française. Le conseiller des affaires intérieures est nommé par le gouvernement français, alors que les 2 autres membres du conseil, dont l'un est chargé des affaires sociales et des travaux publics, et l'autre des finances et de l'économie, sont choisis par le prince. Son Altesse Sérénissime, le prince Rainier III, décrit le fonctionnement du pouvoir législatif. As you know, the political structure here is the prince has the executive power, and the legislative power is in the hands mostly in the hands of the National Council. It's a voted by the population, 18 members, and they vote the budget each year, and they vote the laws that go in the jurisdiction of the principality. So there also there's a good combination, I think, of the exercise of power, exercise of authority, and of decisions. The prince, it's not snapping his finger and saying, you must do this, you must do that. I can tell you, it's more difficult than that. Le prince Albert II, héritier du trône, évoque les avantages de la continuité dans le pouvoir. Instead of having a 4-year plan or a 5 or 7-year plan, you can have a 10 or 20-year plan, and you can really take your time and being effective implementing different changes, and be they new laws or be they an equipment program. And the most visible part of that is obviously the new infrastructure, the tunnels, the improved streets, the new buildings, the new water treatment plants, the new industrial area of Fonvier and the landfill area. And there are numerous examples like that. If we're an example of this, then that's wonderful. Interrogé sur ses rapports avec les monégasques, sur leurs désirs et leurs besoins, voici ce que répond le prince Albert. I think it's very important when you're in a position of leadership, no matter what it is, if you're the president of a company or if you're the head of government, is to have a feel and an understanding for what the normal people or the
people outside your everyday life, what they think and what they feel. I've had the advantage of not only growing up here, but of going to school here for a large number of years, certainly all through high school. And I have a lot of childhood friends here that still live and work here. And so I have a pretty good understanding of how this place works and how certain people feel about it. And I think this will be very, very helpful in the future. L'une des plus grandes idées fausses que l'on ait sur la principauté est qu'elle vit du jeu, c'est-à-dire que l'argent des casinos constitue sa principale source de revenus. La réalité est tout autre, puisque Monaco tire la plupart de ses revenus de ses activités industrielles, commerciales et tertiaires, et que moins de 5% de ses rentrées proviennent du jeu. Les revenus des personnes physiques n'étant pas taxés, l'État dépend fortement des impôts sur le chiffre d'affaires des sociétés, lesquels représentent à eux seuls près de 50% de ses recettes. Le casino de Monte Carlo a été fondé en 1823. Ce qu'on appelle aujourd'hui le lobby a été la première salle de jeu. À l'époque, c'était très difficile de venir à Monaco. Il n'y avait pas de train, pas de route. Les gens venaient par bateau, mais quand la mer était mauvaise, le casino était vide. Aujourd'hui, nous accueillons environ 1 million de visiteurs par an. Le casino fait partie du parcours touristique au même titre que le palais. Les gens paient 50 francs de droit d'entrée et personne ne les incite à jouer. L'endroit est si beau qu'on peut venir ici uniquement prendre un verre et se promener. Les gains ne sont pas taxés et sur certaines machines à sous, on peut jouer avec un franc. On peut s'amuser avec 3 fois rien ici. C'est ça le casino de Monte Carlo. Si le casino évoque un pays ancien et traditionnel, Fontvieille nous projette de plein pied dans l'avenir. Ce quartier, né d'un projet technologique ambitieux, doit son existence à la politique visionnaire du prince Rainier. Pour le construire, il a fallu gagner sur la mer l'équivalent d'un sixième de la superficie totale de la principauté. Ce quartier commercial comprend un port de plaisance, une zone industrielle non polluante, un centre résidentiel moderne et un stade. Monaco est le seul pays au monde à pouvoir se vanter d'agrandir ses frontières sans faire la guerre. Son existence témoigne de l'œuvre entreprise par un prince au nom du progrès. We have a problem, as you know, is space. And the only place we can turn to is towards the sea. And we've already reclaimed 53 acres of water and made it into a new quarter where a population, a certain amount of the population has been able to move in. And Fontvieille One, that's the name of the quarter, is also for us the spot in the principality where we can
establish industries, small industries, which we have to choose specifically as not being polluting and noisy and having producing fumes and things. So it's quite difficult. So we have industries that produce pharmaceutical products and cosmetics, small electronic devices, plastic. And I think these have to be developed, and we're trying to get more of them in. Cette politique a eu des conséquences considérables puisqu'elle a provoqué un accroissement phénoménal des recettes de l'État qui sont passées de 3 250 millions de francs en 1975 à 32 400 millions en 1992. Modernisation et sophistication sont les mots favoris du prince Rainier, dont la politique de développement lui a valu l'affectueux surnom de prince bâtisseur. La principauté connaît un fabuleux développement, mais celui-ci s'accompagne d'une politique systématique de protection de l'environnement qui force le respect du monde entier. Le prince Rainier a par exemple été l'instigateur de la première conférence scientifique sur l'élimination des déchets radioactifs, qui s'est tenue en 1959. C'est également lui qui a proposé la signature entre Monaco, la France et l'Italie d'un accord de lutte contre la pollution de l'eau, la convention Ramoge. Une station d'épuration a été construite à Monaco en 1989. Toutes les eaux usées sont traitées et recyclées avant d'être réutilisées par les habitants de la principauté. L'usine purifie également de l'eau de mer, qui est ensuite rejetée dans la Méditerranée. Afin de protéger la faune et la flore marine, le prince Rainier a créé la réserve marine de Monaco. Et à l'occasion du Festival international de télévision de Monte-Carlo, un prix récompense le meilleur film sur la protection de l'environnement marin. Cet intérêt pour la vie marine ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, le prince Albert Ier consacrait le plus de temps possible à ses recherches et expéditions océanographiques pour fonder en 1906 l'Institut océanographique. Le musée océanographique de Monaco fut inauguré le 29 mars 1910, après 11 ans de travaux. Parmi ses anciens directeurs, Jacques Cousteau, qui a occupé ce poste pendant 31 ans. Aujourd'hui, le musée accueille près d'un million de visiteurs par an. Son directeur est le professeur François Doumange. Well, at the beginning, the Prince Albert I. C'est le prince Albert Ier qui a créé cette fondation au début du siècle. Le siège se trouve à Paris, à l'Institut océanographique. Nous poursuivons le programme de notre fondateur et avons la même approche que lui. Le prince Albert veille à ce que soit respectée notre règle fondamentale, qui est d'accorder la priorité à l'information du public, en vue d'une meilleure compréhension scientifique des problèmes marins. Rainier ne s'intéresse pas seulement à la protection de l'environnement. Il accorde également beaucoup d'importance à l'instruction et au développement intellectuel. Suivant l'exemple de son père, le prince Pierre de Monaco, qui comptait parmi ses amis quelques-uns des plus grands écrivains, peintres et compositeurs de son temps, le prince Rainier est un mécène.
le responsable des affaires culturelles, placé sous l'autorité du conseiller de l'intérieur, est chargé de promouvoir le développement culturel de la principauté. À cet effet, il met les infrastructures monégasques au service de toute forme de manifestation culturelle prestigieuse et encourage la création artistique. Monaco compte plusieurs grandes institutions culturelles. Parmi elles, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et la Fondation Prince Pierre, créée en 1966 par le prince Rainier en l'honneur de son père. Cette fondation, actuellement présidée par la princesse Caroline, encourage les arts. Le Festival international de télévision de Monte-Carlo a pour objectif de stimuler les échanges entre tous les peuples du monde, dans les domaines de l'information et du divertissement, et de favoriser une meilleure compréhension entre les nations. C'est le prince Albert qui en est le président. Le Festival international de la magie, présidé par la princesse Stéphanie, vise à faire mieux connaître et apprécier la magie de qualité dans le cadre d'une compétition. Le ballet de Monte-Carlo. L'opéra de Monte-Carlo. I have a very short season. La saison lyrique ne dure que de janvier à Pâques, mais dans ce laps de temps très court, j'arrive à présenter en général 4 opéras. Je l'ai choisi de manière à ce que le programme soit varié et s'adresse à tous les publics. Nous présentons des œuvres dans toutes les langues et les styles sont très divers. Des liens étroits nous unissent à la famille princière. C'est elle qui, par tradition, encourage les arts dans la principauté. Elle a donc toujours été en contact étroit avec les directeurs des différents organismes culturels. Cet opéra présente constamment des œuvres nouvelles et les premières de nombreux spectacles ont eu lieu ici. Il y en a eu près de 80 depuis la création de l'opéra, voici un siècle. La plupart de nos créations concernent des œuvres italiennes ou françaises, mais cette année, pour la première fois, nous allons présenter l'œuvre de Lieberman, un jeune Américain. Son opéra a pour titre et pour sujet le portrait de Dorian Gray. Nous sommes emballés par ce projet et très impatients de le voir aboutir, car ce sera, nous l'espérons, le clou du Festival international des arts. Le spectacle sera présenté en clôture les 8, 10 et 12 mai 1996. La principauté accorde également une place de choix au sport. Elle figure sur le calendrier des manifestations internationales avec des événements aussi prestigieux que le Grand Prix de Monaco et l'Open de tennis de Monte-Carlo.
La principauté possède également un parcours de golf exceptionnel, situé sur les hauteurs de la commune. Le port présente de grands atouts qui lui permettent d'accueillir des compétitions. Si la principauté encourage fortement les activités sportives, elle accorde aussi beaucoup d'importance à l'éducation de ses jeunes résidents. Que signifie réellement d'être jeune, de vivre et d'aller à l'école à Monaco ? C'est un privilège d'être monégasque. Mes parents sont très heureux parce qu'ils ne payent pas d'impôts et qu'ils ont d'autres avantages fiscaux. Chaque année, le prince organise une grande fête pour tous les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Il nous fait des cadeaux. Ou plutôt, il leur fait des cadeaux parce que moi, j'ai dépassé l'âge. Cette fête a lieu tous les ans, à Noël. Et c'est devenu une coutume. Le maire y participe aussi. Je ne connais pas encore bien le fonctionnement politique de la principauté. Je devrais, mais bon. Quand je serai plus grande, je le connaîtrai mieux. Nous votons pour élire le maire, le conseil municipal et le conseil national. Le conseil national prend des décisions ou approuve ce qui a été dit par le prince. Mais c'est le prince qui prend toutes les décisions importantes. Il y a beaucoup de violence aux États-Unis. C'est un grand pays, pour beaucoup de choses. Mais à Monaco, on se sent en sécurité. Aux États-Unis, dans les banlieues ou ailleurs, je ne connais pas bien ce pays. Mais je ne m'y sentirais pas à l'aise. Être monégasque, c'est quelque chose de spécial. On sent qu'on est différent. Et mieux, bien sûr. Tous les monégasques semblent partager ce même sentiment de fierté. Ils apprécient leur pays et les privilèges qui y sont attachés. Le fait d'être un petit pays et d'avoir finalement une famille princière près de nous, que l'on voit dans la rue, avec qui on va en classe ensemble, nous permet effectivement de ressentir une... comme si c'était réellement une famille. On est beaucoup plus proche d'eux que dans une république où on voit finalement le chef de l'État et sa famille uniquement à la télévision. Hein, donc là, vraiment, on a l'impression de faire partie d'une famille, effectivement. Je crois que c'est la chose dont je suis le plus fier, je crois que c'est d'être justement membre d'un tout petit peuple qui a été capable de se maintenir jusqu'à aujourd'hui en respectant les traditions. Sous un même drapeau, an old flag, the red and white, avec l'appui de la religion, car à Monaco, nous avons la religion catholique. Nous sommes tous, ou plus ou moins, chrétiens. L'entraide entre nous. Mais je crois que la chose dont je suis le plus fier, effectivement, c'est de réussir à m'imposer en tant que monégasque d'une manière totalement pacifique. Le principal objet de la gratitude des monégasques est le prince Rainier III. Car si la principauté existe depuis bien avant son règne, le maître d'œuvre du Monaco moderne, c'est lui. The guideline for being Prince of Monaco is to be very aware of human relations and to always keep to, in his rapports with different entities, political or others, to keep this human attitude and this human outlook on things
very acute and very strong. I think it was some French author who very many years ago said that if he was given the choice, he would between being Emperor of Russia or Prince of Monaco, he would choose being Prince of Monaco, because even if being Emperor of Russia meant being at the head of the biggest country with the biggest population, if he was Prince of Monaco, he would have the advantage of knowing all his subjects, which is practically what happens here. Because the relations with the population, Monegasque population, and even the residents who make the principality their home and their permanent residence is also on a human basis. They share, it's sort of like a large family. They share whatever happiness comes into the family or whatever sorrow. They will always be very close, and I felt that in many occasions. La principauté de Monaco, qui fête son 700e anniversaire en 1997, semble tout à fait prête à entrer dans le 21e siècle, car elle est une nation parmi les autres nations du monde. The fact that we became members of the United Nations was very important, because that means international recognition as a country with the full meaning of what it is, of the status of the principality. And we were the last not to be members, with San Marino. I think now still the Vatican and Switzerland are not members of the United Nations. And it's important for us, because I've always tried to fight when I succeeded my grandfather in 1949. My object was to try and erase the image that the principality was not serious. It wasn't a serious enterprise. And the fact of ending up nearly 50 years after by getting international recognition of our status was for me extremely important. Située au carrefour du monde, la principauté de Monaco est un pays où s'épanouissent non seulement les fleurs de la paix, mais aussi des idées qui rendent l'homme meilleur. C'est un petit pays, bien sûr, mais il a pourtant toujours su allier le respect des traditions avec une volonté de modernisation. C'est cela qui fait toute sa personnalité, merveilleusement évoquée par Pagnol. Ce dernier disait qu'à Monaco, les arts continuaient à fleurir à l'ombre des oliviers, et que l'autorité d'un homme protégeait la liberté de tout un peuple.